J'étais les guerres, moi je portais les casiers. On me servait pour les, il n'y avait jamais le chaisier. Quand je levais le doigt, ils fermaient tous le dossier. Ils fermaient tous le dossier. Ils fermaient tous le dossier. Tant de fois, ils fermaient tous le dossier. Salut, dames et demoiselles, messieurs. Même mes parents au village m'ont convoqué parce qu'ils ont appris partout dans le monde que je suis double puce. Aujourd'hui, j'ai perdu des contrats. Mon honneur, pour certaines personnes, est allé en fumée. Mais dans la vie, il faut souvent reconnaître certaines choses et se confesser. Donc ce soir, j'ai décidé de pouvoir dire certaines vérités sur notre milieu. Pour pouvoir libérer mon cœur. Et après ça, je pourrais aussi me livrer auprès du procureur de la République pour répondre de mes actes. Je vous prie, mesdames et demoiselles et messieurs, de partager le direct, mettre les cœurs pour sécuriser ce direct parce que ils ont appris que je dois dévoiler certains trucs. Ils ont créé des groupes WhatsApp pour pouvoir tout bloquer. Et j'aimerais de ce fait vous demander de convoquer Steve Farr, de convoquer Annabelle, de convoquer Robinson Pifo et le surnommé Njunkam Loïc alias Shakiro. Sans oublier Mini Minor, sans oublier Longuel Longuel, Claudio Ndiala, Majaki, Tignengi, Robinson Pifo, s'il vous plaît. Faut les taguer parce que ce soir on doit faire des révélations quitte à ce que ça ait des répercussions sur nos vies, mais pour moi ça doit quand même me libérer. Faisons le partage. Si on atteint 15 000 personnes ou 20 000 personnes, je balance tout. Ne me jugez pas. Depuis, les gens sont en train d'appeler, on est en train d'essayer de bloquer ce direct. Les autorités, les hautes personnalités qui me demandent pourquoi je veux faire ce direct, pourquoi je veux parler, car reste tranquille, ne t'explique pas trop,
l'homme qui s'explique trop en Afrique, ça veut dire que et qui s'accuse et tout ça, mais à un moment, il le faut. Il le faut. S'il vous plaît, partagez ce direct, mettez le cœur. Mettez le cœur. Parce que la vie de beaucoup de personnes sont en danger. La vie de beaucoup de personnes, pour le moment, c'est en danger. S'il vous plaît, taguez-moi ma soeur Poupi Marcel Kwetché. Faites-le aussi pour Amy Dani. Faites-le. N'oubliez pas Aviro Jess. Aviro Jess. Normalement, Kossi devait être cité, mais appelez, taguez aussi Kossi, Claudio Robinson Pifo. Surtout Steve Farr, faites-le. Je sais, la dernière fois, j'ai eu les problèmes avec Steve Farr. Les gens n'ont pas compris le fond de notre problème. J'ai eu aussi une séparation avec Moaminga. Les gens n'ont pas compris pourquoi je me suis séparé avec Moaminga. Il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. Avec la sortie du Djekam Loïc, peut-être les gens ont mal saisi la chose, mais je vous prie, dames et demoiselles et messieurs, partagez le direct. Nous sommes déjà à 9000 personnes, à 15000 ou 20000 personnes, je balance tout. Et que ça sorte comme ça doit sortir. Moi, j'ai décidé au point de mes actes. Moi, j'ai décidé. Je me suis séparé avec beaucoup de personnes, les gens n'ont pas compris pourquoi. Mais moi, aujourd'hui, j'aimerais sortir avec le cœur blanc. Mettez les cœurs pour sécuriser le direct. Ils sont en train de signaler. Je vais me confesser. Je vais le faire. Et je remercie comme ça le labbé Serge qui a pris le courage de pouvoir m'écouter. Et comme conseil, il m'a dit Cabrin Angip, vas-y, parle peuple. Vas-y, on peut t'écouter et on peut te pardonner. Vas-y, parle. Appelez-moi Steve Farr, appelez-moi Robinson Pifo. Maintenant, appelez-moi aussi ma sœur Aïcha Kamoas. Sans oublier Lolita la Baronne. Sans oublier Valsero. Faites-le aussi. Ils ont besoin aussi de savoir beaucoup de choses. Car eux aussi sont le porte-parole de la jeunesse camerounaise. Faites-le à 15 000 personnes, on balance tout. Et après ça, j'ai décidé de quitter ce milieu. Je pense que c'est mon dernier direct. Mais pour une fois, moi, je serai honnête avec moi-même. Et taguez-moi aussi, moi, Minga. Parce que depuis cette histoire, je croyais qu'elle allait me soutenir. Plutôt, elle a disparu. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, on venait de se réconcilier. Je n'ai rien compris. Montons à 15 000 personnes et puis on balance tout. Oui, taguez-moi Aïcha Kamoas. Taguez-moi Lolita la Baronne, si possible le général Makosso aussi, parce que c'est très important. Parce qu'il y a eu aussi dans ça une fusion Côte d'Ivoire-Cameroun, des choses qui ne tiennent pas. Et David Eto'o est aussi au courant de beaucoup de choses. David Eto'o, oui, il est au courant de beaucoup de choses. Oui, Joël Pelé, je pense que c'est des gens qui sont impliqués dans ce qu'on doit parler ce soir. J'ai demandé de taguer moi David Eto'o, Poupi, Joël Pelé, parce qu'il faudrait qu'on explique ce qui se passe dans le showbiz camerounais. Il faut qu'on explique, il faut qu'on raconte tout, il faut qu'on parle à la jeunesse. Appelez-moi Shakiro, c'est Loïc Njekam. Faites-le à 15 000 personnes, on partage, on dit tout, on se dit les vérités. On peut laver le nom de beaucoup de personnes. Mais moi, déjà, GDA, moi, je sais ce que je dois faire. C'est vrai, oui, insultez-moi. Je suis laid, je suis gros comme le porc. Je ne me suis pas coiffé. Je ressemble à rien, je sais.
ni à la situation de la vie qui dépasse la dépression. C'est-à-dire que tu n'as même pas le temps de prendre soin de toi-même. Ce coiffé n'est pas important pour le moment. C'est ce que je vais dire ce soir. C'est ce que je dois expliquer au peuple camerounais qui est très important. Ce n'est pas être beau, ce n'est pas être présentable. Beaucoup sont beaux, beaucoup sont présentables dans ce milieu de showbiz. Mais à l'intérieur, au fond, ils sont sales. Ils font des choses immondes, des choses très graves que vous ne pouvez même pas imaginer. Bientôt, on arrive à 15 000 personnes et on balance tout. Je sais qu'à Paris, ça bouge. Je sais qu'en Belgique, ça parle. Je sais qu'en Suisse, ça cartonne. Aux États-Unis, alors, n'en parlons plus. Au Canada, tout va de travers pour cette histoire de révélation. À 15 000 personnes, on balance tout. S'il vous plaît, nous sommes à 12 400, à 15 000 personnes, on balance tout. Ce que je dois parler ce soir, en dehors du fait que vous parlez de double puce, c'est encore plus que ça. C'est plus que ça. Moi, je ne peux pas parler de moustique pour le moment, Fingon Kralala, parce qu'eux n'ont pas été cités. Mais je pense qu'il y a des gens comme Tizi Pachak, Salassiel et leur coquin ont été cités. Qui méritaient d'être tagués, mais eux, j'ai pas d'informations pour eux. Moi, je connais pas ce qui les concerne. Je parle de Salassiel, je parle de Loco, et je parle de. Mais parlons de Ivero Diaz, je parle de Longuet Longuet, de Robinson Pifo, Clotilde, Diana Majaki, Annabelle, Mini Minor, Aïcha Kamoua, Lolita La Baronne. Vous méritez d'être tagués là, ce soir. Bientôt, nous sommes à 15 000 personnes, et on balance tout. Allons-y à 15 000 personnes et on balance tout. J'espère que Valcero regarde. Il reste 2 000 personnes. À 15 000 personnes, on balance tout. Allons-y à 15 000 personnes. Allô, je suis en direct, je suis en direct. Non, je suis avec moi, le direct là. Non, 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 je suis en direct. Non, monsieur le président. Non, je peux pas, je ne peux pas. Non, je suis dans la lancée. Non, à 15 000 personnes, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Arrête le direct. Arrête le direct. Tu perds les contrats. Non, oui. Perdre quel contrat, j'ai raccroché. J'ai là tout perdu. Et moi, ça me dérange encore. C'est maintenant qu'il va arrêter le direct. Il me demande d'arrêter le direct. Il reste 1500 personnes. Allô? Allô? Mon petit, t'as fait tout à gauche, mais. Ouais. 15 000 personnes, il reste 1 000 personnes. Ils essaient de nous déstabiliser.
Merci pour l'accueil. Nous sommes là à 14 000 personnes. Il reste 1 000 personnes. Allô? 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 C'est quoi? Fermez la porte, non? C'est comment? Non, non, fermez la porte. Fermez la porte. C'est un moment. Personnes. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va se dire les vérités. Quand vous me regardez, quoi, moi, il peut pleurer. Quand il dit connectez-vous, appelez tel, tel, appelez les artistes, vous croyez qu'il veut dire quoi? Parce qu'un dégénéré de la nature est venu salir l'image de tous les ceux qui sont battus pour atteindre, pour arriver là où ils sont là, vous croyez qu'il veut dire quoi? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire au peuple camerounais. La seule chose que j'ai à vous dire, soutenez vos artistes. Parce que depuis un moment, vous êtes en train de nous manquer de respect sur nos pages. Tous ceux que les cervelés l'ont cité. Tous ceux que le dégénéré, le bête de la nature l'ont cité. Vous me voyez pleurer et demander pardon à Shakir. Oh, quoi, c'est le théâtre. Je suis un comédien pur et naturel. Tout ça, ce n'était que le buzz. Alors, si je donne raison même à Valsero, je donne même raison même à l'autre qu'on appelle Aïcha Kamouas là. Elles ont raison, c'est le buzz. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on m'appelle partout que Gabriel Nangib, on a pris quoi sur ton nom? Que tu es en train de faire quoi? Que tu es ceci, que tu es de côté, que tu es double sim, que tu es le proviseur, que tu es le proviseur, que le showbiz camerounais est pourri. Jusqu'à mes amis de la Côte d'Ivoire m'appellent qu'on ne peut plus mettre pied au Cameroun parce que le showbiz là-bas, apparemment, ce n'est que. Il faut se mettre dans les loges, donner ton derrière pour réussir. Vous croyez que Franco a donné son derrière pour faire un ticket comme Collet la Petite? Le même artiste qu'on appelle Averro Jessica a chanté Nyama, tous les Camerounais ont dansé dans les boîtes de nuit, dans les anniversaires, dans les mariages, dans les voix bébés. Sur sa page officielle, vous êtes en train de l'insulter maintenant, pourquoi? Parce qu'un animal déchet sexuel raté de la nature, quelqu'un que même sa maman a repoussé. Donc vous préférez croire à quelqu'un, un prisonnier, que de croire aux paroles des Camerounais, que Gabriel Nangib, est-ce que c'est ça que tu es ça là? Moi, Gabriel Nangib, je vais signer le contrat avec les Karimou. Pour faire la publicité de thé aphrodisiaque, ce qui lève le zizi, moi le père que déporté, que je peux me baisser, on envoie quelque chose derrière. Vous êtes sérieux là? Hein? Vous êtes sérieux là? Jusqu'à vous manquer de respect, vous levez le nom de Gabriel Nangib, il a pleuré. Moi, il pleurait parce que je suis un bon acteur. Et je joue dans le meilleur film camerounais, Nganou. À l'intérieur, on pleure. Donc moi, on va dire Gabriel Nangib, tu donnes ton derrière. Ma chérie, mon derrière est fait pour péter, pour chier. Vous avez maintenant compris? Vous croyez que c'est parce que j'ai donné au derrière que j'ai écrit le son Baby Pomme, non, Baby Pomme, non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous, les Camerounais, là, moi, vous parlez maintenant. Ça veut dire quoi? Que Gabriel Nangib s'est mis à genoux, il a demandé pardon à Shakirou. Voici les voices de Shakirou. Qu'est-ce qu'il dit derrière de bon? Voilà les premiers voices de Shakirou. Que oh, connectez-vous, je vais me confesser. Je vais me confesser pour dire quoi? Je vais plutôt vous moraliser, vous, peuple camerounais. Soutenez vos artistes. Soutenez vos artistes. Un fou qui sort de la prison parce qu'il a fait les bêtises. Un homme qui fait les 16 steps au Cameroun, envoie en prison, il fait le chantage aux gens. Il sort, il parle, vous croyez à lui. Jusqu'à sur les commentaires, c'est double piste. Oh, Gabriel Nangib, tu es ceci. Oh, tu es ceci. Hein? Il passe sortir les bêtises qu'il appelle les voices. Que les voices notent. Sa tête tient là. Hein? Voilà ça. Écoutez. Gabriel Nangib, c'est un tête saut. Avec son micro-pôle, il peut d'abord briser la femme. Les testicules noirs à sang, il baisse les qui? Et maman, j'arrive à l'ingaille à nous supporter les auteurs, hein, parce qu'elle voit. Que oh, Charles Minga, on dit moi Minga, c'est mon amour, c'est ma femme, elle est avec moi. Tu as compris? Oh, Charles Minga, tu parles à un Camerounais qui a eu 4 enfants le même mois. Père, son âme, un est parti. Tu me vois quand Gabriel Nangib qui fait les publicités du préservatif Choco, tu viens me parler que, oh, il est pédé, oh, excusez-moi, qu'il est double sim. Moi, je n'ai rien contre les doubles sim là, hein. Mais petit frère, quand tu regardes l'homme debout, un mâle dominant, viril, debout, je que somme l'homme d'autre. Donc, même nous, on me dit qu'on quoi, qu'il y a un lali, qu'il y a un chum, qui me dit que je suis de côté.
Parce que j'ai tout fait. Vous, les Camerounais, d'abord, vous êtes méchants à un niveau. Je dis et demande même pardon. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un qui est fou, tu essaies d'élever sa conscience. Que je dis, mon frère, s'il te plaît, calme-toi. Il te demande pardon. Vraiment, c'était manqué de respect. Lui et moi, marchons ensemble. Que tous ceux qu'on a cités là sont les Ndepso, qui sont double plus au Cameroun. Emi Dani, qui l'a manqué de respect. Emi Dani, qui fait partie des meilleures influenceuses camerounaises aujourd'hui. Il a dit qu'elle est lesbienne, non? Qu'elle est deux côtés aussi. Il a manqué de respect à Poupi, non? Dire, raconter les bêtises, les conneries sur Poupi, non? Vous, les fans de Poupi, vous avez insulté Poupi, non? Quelqu'un raconte les bêtises, les énormités, les stupidités. Vous partez supporter un fou que de supporter vos artistes. Il n'a pas dit que Muriel Blanche et Coco Emilia ont les maladies compliquées. Un fou parle, vous comprenez ce que vous venez nous moraliser? Moi, j'ai claqué quelqu'un en plein marché aujourd'hui. Que Cabrera, je viens de demander, est-ce que tu es ceci? Les claqués, hein? Me tambou, je suis là, que je nous ai mis au tout le monde. Me tambou, je suis là. Vous croyez que comme les autres artistes ne parlent pas, on ne doit pas parler? Aujourd'hui, tu es venu, j'ai tourné un clip vidéo, j'ai fait venir le général Makosso. Donc Makosso aussi bizarre. Comme j'ai fait venir le grand moustique, le charismatique, et Fingon Kalala, ils marchent avec moi, ils ont tourné dans mon clip. Ils sont aussi bizarres. Arrêtez un peu les bêtises. Un fou comme ça, un malade mental. Un Camerounais qui aura osé faire même la pipe. Il manque d'abord tous les Camerounais qui sont là-bas en prison. Ils se faisaient violer. Dieu, donne un peu la CV là. Va prendre une CV, tu me donnes. Donne-moi une CV là rapidement. Que je n'ai jamais perdu de contrat. Moi, perdre de contrat. Je vous rappelle d'abord, je suis ambassadeur chez MTN. Hein. Je suis au brasserie. C'est-à-dire qu'à travers la bière Castel, moi, je suis ambassadeur. Hein. Et je représente aussi Topé. Moi, je perds un contrat. Je vous ai prouvé que je suis un comédien sur le jeu d'Arthène, n'ai perdu aucun contrat. Et je profite aussi de ça pour remercier tous ceux qui m'ont appelé. Cabrera, ne fais pas le direct. Tu n'as rien à prouver contre les Camerounais. J'ai rien à prouver, vrai, venez rien à prouver. Mais je vous ai prouvé que je suis talentueux. Je vous ai prouvé que je suis talentueux. Je fais là et de la comédie. Et j'ai fait. Mais sur la serviette là-bas, il n'y a pas la serviette, mon frère. Oh, c'est que ma chance, c'est ça. Voilà la serviette, non? Et fait, il pleure jusqu'à ce qu'il pleure. Oh, pardon, dites-moi pardon. Vous n'avez pas vu que quelqu'un demandait pardon, il vit de couper ça pour ne pas rire à la fin. Ça, quelqu'un me manque de respect. Moi, avec la grandeur que j'ai toujours, je me mets encore à genoux et demande pardon à la personne que s'il te plaît, je suis désolé si j'étais offensé, ceci. Vous trouvez que j'ai mal fait. J'ai mal fait. On m'offense et demande pardon au lieu de comprendre que je suis grand. Non, vous me manquez de respect. Là, il ne demande plus pardon. Je ne demande plus pardon. Un cabré, non, il a quelle preuve? Et je te rappelle à toi, Loïc Tchoukam. Tu, pour le moment, je te fais comprendre que le Cameroun a le service de renseignement ici en Afrique le plus élevé. Et je te dis là où tu te trouves pour le moment. Tu es à Lagos. Et là, à Lagos, tu es dans le quartier qu'on appelle. On appelle le quartier là, c'est encore quoi là même? Tu es à Synagogue. Tu es à Synagogue of Church. Tu es à Synagogue Church. Le nom du quartier là, c'est quoi? Dis fort! C'est. Faut attendre. Dis! Issoulopo Street, l'avenue Issoulopo à côté de. Tu as l'avenue Issoulopo à Lagos. Issoulopo. À côté de l'église de Chimichoshua, celui-là qui était mort. À Lagos, non, on est là où tu es là. Et tous tes appels. Et ce que les Camerounais ne savent pas, c'est que toi, tu as un groupe de personnes où vous êtes réunis pour détruire la vie des gens. Oui, tu n'es pas seul. Et je te prouve que tu ne peux pas dépasser le Cameroun, mon type. Tu n'es la personne non grata au Cameroun. Tu as touché les personnes qu'il ne fallait pas toucher pour le moment. Tu as touché les Emi Dani, les Poupi, les Ivero Jess. Tu as touché les enfants qui se battent, les Claudio Ndiala. Tu as touché tous ces artistes-là qui ont le nom. Pourquoi tu n'es pas allé citer que les Bensikinés de Ndoko Tchela sont les deux côtés, les doubles cimes? Pourquoi tu n'es pas allé insulter les gens qui se battent qui n'ont pas le nom? Tu n'as que choisi que les talentueux comme Steve Fa pour raconter les énormités. Jusqu'à on te croit. Donc on a préféré croire un fou au Cameroun. Quelqu'un que sa propre mère a rejeté. Un dégénéré de la nature, vous avez préféré croire un fou comme ça. Parce qu'il vient de perdre les contrats. Que oh, la mère de l'autre. Qui? Tous mes enfants sont là. Tout ce qui est fabriqué, ils vivent toujours. Ouais. Et on n'aurait pas dû faire ce direct. Mais je remercie le conseil de Valsoro. Merci, grand frère. Tu as parlé comme un grand. Et Aïcha Kamouas, tout à l'heure, là, on a parlé au téléphone. Et j'étais un peu énervé. Mais je profite de ce direct pour te dire, tu es ma soeur, tu restes ma soeur. Toi et moi, on est ambassadeur chez TapTapSen. On n'a jamais eu les problèmes. Ce n'est pas parce que quelqu'un est venu prononcer, mais manquer de respect. C'est moi qui ai touché. Et je t'ai vu énervé dans le direct. J'ai compris que peut-être j'ai blessé ton orgueil. Aïcha Kamouas, je te demande pardon. Tu es ma petite soeur. On est deux ambassadeurs de TapTapSen. On ne pourra jamais discuter ensemble. Vraiment, c'était manquer de respect. Je te demande pardon. Et je remercie aussi Valsero. Je remercie aussi les autorités camerounaises.
On dit autorité camerounaise. Camerounaise. Ah, autorité même camerounaise, non. Non, on vient à nous, mais le temps, bah, autorité camerounaise, comme tu trouves la langue, chanchou, bon, apoutchou, voilà. Donc, Cameroun, quand on se bat, on a un peu l'image, on a un peu la notoriété comme ça, là, non, c'est fini. Ça veut dire que tu es deux côtés, tu es double sim. Mon frère, si tu n'as pas le talent, si tu n'es pas talentueux, même le double sim là, même si on te frappe ça, même si on t'alimente ça n'importe comment, tu ne dois jamais réussir. Arrêtez de faire croire à la nouvelle génération camerounaise que pour réussir, il faut donner ça. Ça n'existe pas. C'est qui m'appelle comme ça? Allô? 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 Oui. Je suis en direct, le vieux. Regardez. Voilà, regardez. Gabon m'a dit c'est un texto. Avec son gros poids, il peut avoir baisé la femme. Les testicules noirs, ça sang. Il a vu ça. Gabon m'a dit c'est un texto. Avec son gros poids, il peut avoir baisé la femme. Les testicules noirs, ça sang. Il baisse les qui? Denis Ménor, s'il te plaît, à quel moment t'es-tu venu à l'esprit de dire que Cameroun Ahmadi est gay? Et pourquoi? Pourquoi cela? Y a-t-il une raison? Laquelle? Ouais, laquelle? Dis-moi. S'il te plaît. Avec sincérité. Nous sommes des humains. On peut comprendre aussi. On peut comprendre ta souffrance. Mais s'il te plaît. Hey, salut, comme ça, quand tu te moques de nous. Laisse-le parler. Dis-nous, on t'écoute, s'il te plaît. Vas-y, exprime-toi, dis-nous pourquoi. Nous, tout le monde entier écoute. On attend la réponse. Il a fui le direct là seul. Il n'a aucune preuve de ces conneries qu'il raconte. Non, non, regarde comment il parle. Pifo. Pifo, calme-toi. Laisse-le, il va parler. C'est quand je ne... Le pas. Il me laisse plus. Je ne devrais pas faire le outing. Je ne dois pas faire le outing en tant qu'activiste LGBT. Tu vois, je ne dois pas faire le outing. N'importe. Je ne dois pas citer le nom des gens, tu vois. C'est à cause de mon mal-être que j'ai appelé le nom de Cabrel. D'accord. Voilà. C'est à cause de mon mal-être. Et quoi, Cabrel, il ne doit pas faire le outing. Quelqu'un dit que c'est à cause de son mal-être qu'il a cité mon nom dans son direct. Ça veut dire que c'est à cause de son mal-être qu'il a cité le nom de tout le monde. Comme il sait qu'il est dans un demi, il veut crémballer tout le monde dans la boue. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous. Là, maintenant, j'adresse mon grand respect à tous ceux qui nous soutiennent. Ceux-là qui connaissent la valeur des artistes au Cameroun. Ceux-là qui ont réussi dans les bonnes conditions. Ceux-là qui nous soutiennent dans le bon sens. Ceux-là qui ne nous ont pas appelés pour dire « Oh, Cabrel, tu es double sim, tu as eu le bac là. » Je sais que les Camerounais ne vous trompent pas. Beaucoup nous insultent que double sim, ils savent que non, on mérite, on est les bosseurs. On a travaillé dur pour arriver là où nous sommes là. Donc arrêtez de faire croire à la jeunesse camerounaise que pour réussir, il faut toujours être dans les choses compliquées. Pour moi, éduque-toi, mes enfants, travailler, respecter les gens, ça n'existe pas. Il s'agit de ça. Moi, mon direct n'était pas long. Hein. Donc, j'ai d'ailleurs demandé pardon à ceux qui devaient demander pardon. Si vous voulez partir, quoi qu'il avait dit quoi dans mon direct, il me confesse que j'ai quoi à faire. Il me confesse que j'ai tué qui. Hein? Moi, j'aime encore plus ma mère. Parce que ma mère n'a même pas le temps pour m'appeler pour les bêtises, ni mes oncles. Hein? Allô, ma? Allô? Oui, ma? Oui, pas de haut-parleur, ma. Allô?
Moi, il a fini. Je dis merci à ceux qui ont. Je voulais que vous veniez comprendre que c'est les bêtises. Et qu'il était. Moi, j'ai pour à rédiger ma plainte. Chacun a rédigé sa part de plainte. Qu'est-ce qui est arrivé ici au Cameroun doit comprendre. Et jusqu'à là, même la plainte, là, même Interpol va remonter vers toi. Mon type, tu vas reprendre tes actes. Quelqu'un là, il a la dépression, il devient fou, il raconte les bêtises partout. Que oh, les Camerounais ont fait ceci, que tel, il cite tout le monde. Il a cité Loco. Loco qui est talentueux comme la magie là. Il a cité Saraciel. Il a cité tout. Tizi Panchak, les gars talentueux. Il a cité les Tic Nengue, les Claudio, tout. Pourquoi ne cite que les gens qui sont talentueux? Pourquoi ne cite que les gens qui sont talentueux? Moi, j'ai fini le direct. Hein. Si vous voulez faire ce que vous allez faire, merci à Tata Lolita, à la baronne, à tous les Camerounais. Merci le général Makoso. Merci tous ceux qui nous soutiennent. Merci à Dr Raoul. Merci Fingon Kalala. Merci Papa Moustique, le charismatique, pour les appels. Papa, tu crois que j'allais faire quoi? Merci, vu les appels, mais ne pouvez pas répondre. Vous devez me discret pour mon direct. Un faux direct, même comme ça. Là. Sabotez-moi maintenant. J'ai joué mon jeu d'acteur, non? Il est venu avec son buzz. On a prouvé qu'on est talentueux. On a pleuré. Pleuré que oh, quel concret. Vous pouvez jouer mes concrets. On arrête le concret avec quelqu'un comme ça. Il vient mentir que oh, les parents du petit là ne veulent plus me voir. Qui? Vous n'avez pas vu qu'on continue à tourner les vidéos, mais à TikTok. Vous avez les têtes de mort. Je devais révéler quoi? Hein? Je remercie comme ça hein, mon douanier de luxe, Ndiangassons, Oscar Chouamou, Jijika, Djamane. Tous mes amis riches, hein, les gars de Paris. J'arrive à Paris, hein. Merci, maman Lady Ponce, Daphné pour les appels. Merci. Saraciel, fais encore le futur, hein. Je crois qu'elle devait dire quoi. Elle devait dire quoi. Elle est finie. Allô? Oui, allô? Elle est finie. Allô? Vous voyez un gars qui est ambassadeur de la bière Castel, vous venez jouer. Un gars qui consomme le Elvino. Donc même une brique d'Elvino là-bas, il fait la publicité pendant qu'il part. Il devait faire comment? Il devait dire quoi? Qu'il me confesse que je suis qui? Il ah. Faut allez ramasser que oh le manager. Que pifo. Fractitning. Pas comment? Pas comment? Consommer Elvino. Où ma bière Castel? Ça, c'est le vin blanc Elvino. Où est le thé de Karim Mola? Où est ça? Vous êtes là volé pour aller utiliser ça chez les femmes. Non, après, j'ai utilisé chez ma femme. Vous croyez qu'elle devait venir dire quoi? Viens avec la bouteille. Vous voyez que chez moi, elle consomme la Castel, non, maman? Oui? Quand on a résigné qu'elle concret, jamais. Toujours ma Castel. J'ai fait quoi de mauvais? J'ai fait quoi? Que eux-mêmes là-bas ne réfléchissent pas. Hein? Oui, voilà la Castel, il faut consommer la Castel. Ça, c'est Karimo. Quand tu veux que faux fesses, tu utilises le thé Karimo. Ah, ça. Oui, allô, ma Jackie. Coupe ton direct là, tu peux pas consommer. Je ne coupe pas, je ne fais pas la folie, je fais la publicité. Tu voulais qu'il fasse quoi? Aïe, faut couper ça. Je dois couper. D'accord. Allô? Oui, le bon, c'est à toi. Oui, papa, j'ai fini le direct. C'était bon, au revoir. Le bébé Dieu, le bébé Dieu.